Pour réaliser ce bison, j'ai d'abord pensé à ces hommes, et plus précisément à ces soldats qui, un jour, se cherchaient un emblème pour leur régiment. S'ils ont choisi le bison comme animal pour représenter leur régiment, c'est forcément pour les valeurs qu'il véhicule et qu'il incarne, à savoir le courage, la force, la bravoure, mais aussi la dissuasion et la paix. Alors un bison que j'ai représenté avec les deux pattes en avant, sur une même ligne, pour bien montrer qu'il est paisible, sûr de sa force, les deux pattes arrière décalées et la queue relevée, il envoie un message fort qu'à n'importe quel moment il pourra charger pour défendre son territoire ou les siens. Et sur le corps de cet animal est représenté l'ADN de ma sculpture. Un ADN fait de vide et de manque. Et ici, en l'occurrence, ces vides et ces manques peuvent être assimilés comme autant de blessures dues au combat, des cicatrices dues à ces combats qu'il a livrés pour défendre les valeurs de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité.